C'est un matin à Montmartre. Il faisait chaud et j'avais mis ce jour-là ma tête de tous les jours. Je m'appelle Antoine Gardon, c'est mon nom. Agent secret, recherche généalogique, filature, ni vu ni connu, je t'embrouille. J'étais encore seul sur la piste à ce moment-là et je croyais bien tenir la fortune. En dépendait. 13, 14 et 15. C'est bien ça. Je ne la prends pas tout de suite. Entendu. Elle ne fait rien, allez. Et Eugène, oh. On va s'en tirer. Bon, bien, j'arrive. C'est à ce moment que je l'aperçus. M'avait repéré.
sûrement là-bas la double pompe. Il n'y a pas à se tromper. Le signe est fait. Ah, mon petit Arnaud, un peu de courage et à toi les millions. Tous les millions. Puis-je vous aider, monsieur? Avec plaisir. Eh bien, vous voyez... Oh, pas le moindre intérêt. Aucun intérêt, vraiment. Je vais l'emmener chez moi pour faire du feu. Ah, je vous en prie, c'est moi qui l'emmène, puisque je l'ai acheté. Vous l'avez acheté? Oh, mais monsieur, écoutez, je vais vous dire. Mais laissez-nous, monsieur. Je n'ai jamais réussi à savoir ce que ce fricotin fricotait dans ce placard. Ce petit diable était capable de tout. Nous étions maintenant deux sur l'affaire. Mais laissez-nous, monsieur, je vous en prie, celle-ci. Donnez-moi mes 50 francs. Voilà, monsieur. Mais vous n'avez pas payé, monsieur. Mais je vous rends la glace, madame. Merci, merci me permettant de percer à jour le secret de la valsette. Il me fallait maintenant planquer mon butin. Quel endroit plus tranquille qu'une consigne? C'est toujours là qu'on le plante dans les films américains.
Le métier d'agent secret a des revers. Mais à la consigne, le fricotin m'avait devancé. La première malzette avait livré son secret. La deuxième restait à trouver et je décidais de consulter une voyante. Là aussi, j'avais été doublé. Hé, hey, elle a dû le trouver à la baguette, c'est pas possible. C'est aussi comme ça qu'il faut les faire marcher. Oh, doucement, on dit, hein. Votre fortune en dépend et mon avenir aussi. Votre avenir? Oui. Très intéressant. Faites voir votre main gauche. Voilà. Oh. Passionnant. Un avenir fabuleux. Je ne peux rien vous dire ici, il y a trop de monde. Secret professionnel. Venez. Je suis dit. Du calme, du calme. Oui, une jeune fille blonde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un petit village. Un petit village. Avez-vous une carte de France sur vous? Une. Non, nous me trompons. Voilà. Chérie. Oh, ah, je suis en transe. Il a parlé. Mais que dit-il? L'Oise. Quoi? C'est dans l'Oise. C'est dans l'Oise. Je fais tout autour 3000 habitants. Asile pittoresque, prolation carolingienne, du très gros ramène. Pas un turc. La fortune, mon cher. La fortune? Oui, c'est pour vous. Ah, quoi? À nous deux, monsieur Fricotin. Quant à moi, chut, je n'ai déjà que trop parlé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, madame. Attention, là. Mais vous, pas des choses, madame! Mais vous, les gars! Oh, 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 oh.
Mais t'as sûrement erreur, monsieur. Hé, hey, en banc. Voulez-vous remonter ça tout de suite? Voulez-vous remonter ça tout de suite? Oh, c'est un monde de voir ça tout de même. Mon matelas, à doucement, monsieur, mon matelas. Je vais aller vous chercher moi-même. Oh, oh, mais c'est Bibi Fricotin. C'est Bibi Fricotin. Garde-moi. J'en partis avec mes meubles. Oh. Mais il y a tout, sauf la pièce qui manque. Il n'y a plus qu'à faire de l'autostop. L'autostop? Oui. Ça marche jamais. Oh. Tu vas bien? Oui, mais si ça réussissait du premier coup, personne n'achèterait plus jamais de voiture. Très juste. Bah. Oh, j'ai sommeil. Ce pendule m'a épuisée. J'ai dépensé trop de fluide. Il n'y a qu'à camper ici. Allez, allez, entre.
travail? On part? Quel vous avez changé? Ça ne se passera pas comme ça. J'en parlerai à qui de toi. Ah, Pigo, je vais pas lier, mais je suis tout lié. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Thank you.
Ne bougeons plus, gardez la pause. La Malvède, c'est sûrement là. Sinon, mesdames et messieurs, j'attire toute votre attention sur ce premier tour de votre race. Vous voyez ce lapin qui est bien vivant. Car il est bien vivant, je le dépose sur cette chaise. Je dépose mon chapeau de bande sur ce guéridon. Je prends ma baguette magique. Il a un truc qui va se faire, vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, la parole est au spectateur. Nous enchaînons. Je vais prier un spectateur parmi l'assistance. C'est bien vous l'inventer sur cette scène. Pour participer au véritable conte des mille et une nuits que je vais avoir la volupté d'évoquer devant. Monsieur, nous travaillons en pleine lumière. J'insiste, mesdames et messieurs, pour obtenir de vous le plus grand silence. Monsieur, ne craignez rien. Ceci se passait il y a plus d'un siècle dans le Béloutchistan. Le redoutable Maharaja de Gurjanwala avait jeté son dévolu sur une jeune Anglaise, Margaret, dont il voulait faire sa femme, sa favorite, son esclave. Vous, monsieur, vous serez le sujet. Le sultan. Moi? Oui. Oui, vous. Voilà. Et cette jeune personne... Alors, viens chez toi. Figurera Margaret. La jeune fille blonde. Le sultan fit la jeune fille prisonnière. Et lui prodigua les attentions les plus délicates. Mais la jeune fille voulait toujours s'en aller. Ah oui. Tenez, tenez, gardez la clé, sire. C'est plus sûr. Mais un vieux magicien du palais se prit de pitié pour l'héritière. Pour l'héritière captive. Pendant la nuit. Alors que le sultan était profondément endormi. Bravo, monsieur, vous jouez fort bien. Il s'approcha de la malle et la frappa doucement de sa baguette magique en murmurant les mots obélisque, sphinx, soleil. Lorsque le lendemain matin, le sultan... Approchez, sire, je vous prie. Monsieur le sultan, c'est à vous que je cause. Donnez-moi la clé, s'il vous plaît. Lorsque le sultan voulut encore une fois tenter d'arracher à sa prisonnière le oui fatal, l'oiseau s'était envolé. Où est-elle? Où est-elle?
Je vous remercie, monsieur. Vous avez fort bien joué votre rôle. Vous vous demandez sans doute ce qu'est devenue la tendre Margaret. La voici. Margaret. Vous êtes réveillé? Non. C'est le jour. Le jour? Il est midi. Oh, vous avez du sommeil plein les cheveux. Vous permettez? Dire qu'il y a des gens pas contents d'être sur la faille. On va rester là? Oh non, vous pouvez y aller, c'est pas truqué. Oh, vous n'aimez pas la magie? Si. La vraie. Oh, vous, vous préférez les drapeaux qui sortent des yeux à la coque, les lapins dans les casquettes, les bouquets dans les manches, n'est-ce pas? Ça veut dire rien, les choses comme elles sont. Oh, ben, j'ai l'habitude. Je suis un peu chez moi, ici. Vous êtes du pays? Non, 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 je suis jamais venue. Oh, mais je connais. Alors, vous savez où nous sommes? Chez nous? Oh, c'était pas une ville, les malades au bleu fond. À la fin, je voulais que les choses soient à leur place. Les chapeaux sur la tête, les malles pour le voyage, les mouchoirs pour pleurer, et puis les trésors dans les coffres-forts et dans les contes de fées. Un trésor? Vous avez dit un trésor? Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, laissez-moi! C'est à cause de ça qu'on me cherche, hein? C'est à cause de ça qu'on s'intéresse à moi. Depuis que j'ai petite, c'est pareil, et puis ça continue. On ne peut pas me voir. Je ne pouvais plus. Toujours l'histoire du trésor de mon arrière-grand-père, le célèbre magicien du roi Caligula Strotartazan. Figure dans la famille, c'est moi, les gars. Pour ça que mon oncle m'a recueilli. Mais il est méchant. Quand il commençait à me battre, je lui ai crié le trésor. Ben, il devenait tout de suite gentil. Ça me dégoûtait. Catherine. Vous n'avez pas vu passer une jeune fille? Une jeune fille, j'ai pas vu passer. Une jeune fille avec une robe à fleurs. Avec une robe à fleurs? Ouais. Non. Oui, on dit qu'il a caché le secret dans un vase. Mais on n'a jamais rien trouvé. Le vase, maintenant, c'est un autre de mes oncles qui l'a. Celui qui est gardien de musée. Ben, faut y aller. Oh, mais c'est loin. Oh, j'ai une idée. Vous allez vous cacher pendant quelque temps, et moi, pendant ce temps-là, je gagnerai l'argent du voyage. Mais d'abord, où c'est-il qu'il est au juste, ce vase? Ben, à Soissons.
donner un petit coup de main. C'est inhumain de vous laisser travailler comme ça tout seul. Vous savez servir? Moi? Oh, vous pensez, j'ai servi au Café de Paris, à la Tour de Nesle et à la Scala de Milan. Parfait! Vous commencez tout de suite. Oh, merci. Avant vous, j'avais une petite, une brave petite. Il a fallu ce pompiste. Quoi? Le pompiste. Ah, bon. Un voyou. Ils ont fichu le camp tous deux ce matin. Mais puisque vous êtes là, tout va rentrer dans l'ordre. Mais il n'y a personne non plus à la station-service. D'accord. Mais tâchez de ne pas faire comme mon ancien pompiste. C'était un brave garçon. Il a fallu que cette carte vienne. Alors, dépêchons-nous, voyons, nous sommes pressés. Bon, monsieur, c'est pourquoi? Les glaces, bon, les glaces, bon, monsieur. Les glaces. Pas à quelle heure nous arrivons, vous savez, ils ne vont jamais nous attendre. Oh, pardon. Ne vous gênez pas, allez-y maintenant, monsieur. Mais écoutez, non, mais... Gars. Oh, pardon, madame. Votre chapeau, maintenant. Non, écoutez, non. Allez, Robert, partez. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Bien. C'est fini. Va voir mon pneu arrière quand il a besoin de gonflage. Un vrai flash. Allons, mon cul, un vrai flash. Vous êtes prêts? J'ai plus attendu. Je fais ça dans le premier cul. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce gamin? Oui, oui, je fais tout de suite. Il m'en peut alors, non? J'ai pas fait une heure que j'attends. J'en ai marre de faire le poireau, non? Regardez comme c'est commode.
bien. Valise d'essence et un peu de fraîcheur pour mes pneus, s'il te plaît. On ils ont dit les descentes. Ah, c'est sympathique. Oui, moi, ça me plaît bien aussi. Ça marche, les affaires? Je sais pas ce qu'il mange, monsieur. Eh bien, un petit peu de fraîcheur, ça fera pas de mal. Oui. Attention, monsieur, attention. Ah, oui, bien. Attention. Hé, là-bas, hé, là! Ça sent diablement l'essence. Ah, ben, c'est normal, c'est normal. Bien, mon petit gars. Voilà pour l'essence, il gardera le reste pour toi. Oh, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Et bonne route, hein? Merci. Mais je pense à faire, vous vous fichez de moi, hein? Ah, oh, bah, le marché à la vapeur. Ou bien c'est un ancien modèle, ou bien c'est un nouveau, mais... En tout cas, c'est marrant. Je représente l'agence Passepartout. L'agence Passepartout ne laisse de traces nulle part. Recherchons toujours héritage, trésor caché. Un seul nom, Passepartout, Balzac 0002. Je me présente Antoine Cardon, agent secret. Vous, inutile, je fais tout. Tartazan, vous avez servi comme grosse caisse au cinquième soir et vous recherchez le trésor de votre arrière-grand-père. Je vais le retrouver. Foutez-moi le temps, le coup du trésor, ça ne prend plus. Je sais tout. Qu'est-ce que vous savez? C'est la bonne piste, il est dans le vase, mais il faut se grouiller. Car je ne suis pas seul dans la course. On n'a jamais rien trouvé dans le vase. Vous n'avez rien trouvé, mais moi je le trouverai. Mais moitié-moitié. Mais c'est ma nièce qui l'héritait. C'est pas vrai. Quoi? Je sais tout. Le trésor appartient au premier membre de la famille qu'il trouve. Comment vous savez? Ah, agent secret. Chut. Moitié-moitié. Alors, ma nièce, je m'en balance. Mon pauvre monsieur, si vous croyez qu'elle attend après vous pour aller chercher le trésor, elle est accoquinée avec une crapule. Bon sang, le bon sang. Ah, du calme, monsieur, laissez-moi faire. Ils n'ont pas quitté la région. Ah, il faut pas qu'ils arrivent, je les tuerai. Inutile, il suffit de mettre la main sur elle, et puis un petit tour de clé. Alors, moitié, moitié. Moitié, moitié. En avant, en avant. En avant. Et en avant. S'il vous plaît. La famille d'abord. Eh ben, ça fait pas loin de 100 km. Tu crois? Ben, t'as qu'à compter.
T'as entendu? Non. Et voilà! T'as pas en garde, on fuyons! Thank you.
Yadon, monsieur Yadon, je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à retrouver ce monsieur Tricotin. Allez, donnez-moi ça. Faudrait tout de même bien savoir à combien on joue. Rugby, je dois attendre. Il y a des restes, non? C'est moi qui vous remercie, mes petits. Vous m'avez aussi beaucoup aidé. Au revoir. Catherine, ma nièce, avec un gorille. Qui est-ce ici? Je t'expliquerai. Qui tu as le vase? Le vase? Oui, le vase. Le vase au trésor. Le vase? Oui. Attendez. Oh, je n'ai jamais cru à ces histoires de vase, vous savez. Non, non. J'en ai fait cadeau à monsieur le conservateur pour le musée. Oui, mais où est-il, ce vase? Chut, ne faites pas tant de bruit. Venez. Monsieur le conservateur ne peut pas être dérangé ce matin. Ah bon? Il prépare son discours pour l'inauguration des fouilles de cet après-midi. Ah! Il y aura un ministre. Oh! Chut! Ne fais pas tant de bruit. Et c'est ainsi que la Terre a conservé pendant des millénaires ses trésors. Aujourd'hui, monsieur le ministre, en votre nom, j'ai... Comment? Ma nièce et Bibi Fricotin, Fricotin, monsieur le conservateur. Ah, j'y suis. Ils sont venus pour l'inauguration, sans doute. Alors, jeune homme, vous avez entendu parler de moi? Oui, j'ai vu à jour les restes d'une civilisation gallo-romaine. Le ministre a bien voulu se déranger en personne pour donner le premier coup de fouille. Mais vous croyez qu'il trouvera quelque chose? Oh, alors là, je suis bien tranquille, oui. Oh, d'ailleurs, j'ai le résultat de toute ma carrière. Et vous croyez qu'il est là, le vase? Sûrement, c'est là où il met les pièces rares, dans le placard. Et la clé? Dans le tiroir du bureau. Ah, mais vous n'allez pas, hein? Oh, non, non. Venez, je vous en prie, nous formons tous une grande famille. Vous me ferez l'honneur de prendre une tasse de café avec moi. Mademoiselle. Ah, mais je ne savais pas que vous aviez une nièce aussi charmante. Eh oui. Eh, moi,
Hein? La chasse. Si l'amour du passé n'avait pas fait de moi ce patient défricheur, je crois que j'aurais fait une carrière, oui, de grand chasseur. Ben, la chasse, les faux, les fouilles, il m'a fallu choisir. Et je me demande parfois, je n'aurais pas dû rester là-bas. Eh, chacun de ces faux est pour moi un grand jour de ma vie. La cruiserie de la forêt vierge, la saveur du danger, tous ces faux assoiffés de sang. Oh, mais continue. Eh bien, puisque vous insistez, je vais vous raconter un des épisodes de ma vie. Voilà. C'est passionnant. Figurez-vous qu'un jour, j'étais à la pub, oui, je tenais nerveusement la crosse de mon fusil. Ah, qu'est-ce qu'il y a fait entre le faux et moi? Le soir tombait. J'attends. 8 heures. 9 heures. Personne. Oh. 10 heures. 11 heures. Écoute, il faut que tu m'aides à retrouver le trésor. Il me faut la clé de l'armoire dans le tiroir du bureau. C'est là-bas. Viens. Et tu crois que c'est là-haut? Allez, cherche. Attention! Attention, monsieur le conservateur, c'est la femelle la plus méchante. Attaquez, chargez. Allez, bois un coup, tu l'as bien mérité. Allez au travail. Il n'y a que ce point-là qu'on n'a pas vu. Le vase n'est pas là, je crois savoir où il est. Viens. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais je... Vous chassiez, je suppose. Oui, le chimpanzé, monsieur le ministre. Excusez ma tenue, mais Dieu merci, il n'y a plus aucun danger pour votre excellence. Non, nous avons mis les fauves en fuite. Oui, Dieu merci, je suis maintenant maître de la situation. Maintenant, c'est un peu chaud. Oh, monsieur le ministre. Monsieur le ministre,
que vous les restituiez à la lumière. Ce premier coup de pioche que vous allez porter, monsieur le ministre, c'est un coin enfoncé, monsieur le ministre, dans la forteresse jamais anéantie de l'ignorance. C'est de la terre, c'est de sa profondeur, c'est du passé que nous attendons maintenant la lumière. Nul autre que vous, monsieur le ministre, n'était plus qualifié pour recevoir les vestiges millénaires et éternels des civilisations mérovingiennes. Et je dirais même presque carolingiennes. Oui. Sur les vestiges. Oh, gardons. Il s'est déguisé en ministre. Sur laquelle notre gouvernement établit chaque jour, monsieur le ministre, les plans inébranlable de la société nouvelle. Bravo. Très bien. C'est tellement vrai. Eh bien, à vous, monsieur le ministre. Ah, il faut que je descende là-dedans. Ah, ce sont les servitudes de la recherche scientifique, monsieur le ministre. Eh bien, mon Dieu. Hop. Et voilà. Merci. Pardon, c'est que mon grand âge... Voulez-vous permettre? Oh, j'allais vous demander. Ah, voilà, c'est très bien, bravo. Excusez-moi. Outil. Ah, outil. Alors? Merci, mon grand, merci. Par ici, monsieur le ministre, par ici. Ah, par ici. Vous brûlez. Vous voyez? Oh, oui, ça sent le passé. Je ne sens rien, moi. Non, si. Et hop! C'était... Par exemple, troisième siècle. Monsieur le ministre, vous avez un flair. Vous êtes bien aimable. Oh, dites-vous. Qu'est-ce que c'est? Par exemple. Oh, ça alors, monsieur le ministre, vous êtes un fouilleur émérite. Vous me flattez, vraiment, comme vous avez dit. Vous me flattez, vraiment. C'est un flatteur. Oh, époque gallo-romaine. Ah, oh, Édouardius, sans doute. Oui. C'était... Cherchons quand même, oui, cherchons quand même. Oui, il y en a... Attendez, merci. Je cherche moi-même. C'est ravissant, ça, vous avez... Ça y est. Mais c'est d'époque, vous savez ça. Ah oui. Sûrement d'époque. Oh, ça, sûrement. Alors là. Étonnant, vous savez. Oui. C'est gallo-romain pur sang. Oh, oui, reconnais. Oui. Ah oui. Eh bien, il y a de quoi se monter tout un service de table. Oh, oui, alors là. Dites-moi, conservateur, oui. Vous n'auriez pas un vase par hasard, hein? Comment un vase, monsieur le ministre? Oui, pour compléter la collection. Oh, mais sûrement, monsieur le ministre. Oh, oui. Oh, oui, les Mérovingiens se servaient de vase. Eh bien, cherchons. Là, vous ne croyez pas que... Non, là. Eh bien. Du premier coup, ça y est. Eh bien, croyez-moi, c'est exactement ce que je cherchais. Le vase, il l'a? C'est bien ça. Ben, le président va être content. Ah. Après cette découverte, vous recevrez sûrement les palmes académiques. Non mais, monsieur le ministre est trop bon pour cette petite chose. Non, ne soyez pas modeste. Je vais d'ailleurs le remettre moi-même au président. Mais pensez-vous. Ah, je vous en prie. J'insiste. Oui, beaucoup. Non mais, monsieur le ministre, ce n'est pas fini, monsieur le ministre. Il y a encore toute la vie quotidienne gallo-romaine. Qu'est-ce que c'est? Le Mérovège. La ville souterraine. Viens, attention, les Mérovingiens. Votre
votre chapeau. Allons, je suis une affreuse. Une moto de deux,
Oh, chic à l'air. Oh, la boîte. Je lègue mon trésor au premier membre de ma famille qui le trouvera dans ma maison du Mardol. Idem la formule de ma passe cabalistique, celui qui la possède triomphera des avaricieux. Caligula Strotartazan, magicien du roi. C'est ça, c'était mon arrière-grand-père. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un obélisque, un sphinx, un soleil. Mais c'est peut-être une piste. En tout cas, le Mardol, c'est juste de l'autre côté de la rivière. Maison du pays. Ouais. Tu vas c'est là. Et va c'est là. Voilà des manières. Et bien. Qu'est-ce que c'est que ce petit voyou? Alors, vous voulez vous parler de gens? Oh, fouillez dans mes tiroirs. Mais, gardez-moi ça, méchante gamine. Je n'ai plus. Je vous dépose tout, je n'ai plus. Et mon matelas, nous l'avons. Et cette matelas, vous la voulez laisser? Oh, mon bébé, mon bébé. Petit voyou, je vais chercher les gendarmes. Vous savez, je ne vois rien. Non. Et ça continue. Thank you.
réussi à descendre? C'est là? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est comme la malle. Vous n'auriez pas une pièce de 20 sous? 20 sous? Pourquoi faire? Vous allez voir. Tu vois, c'est comme les appareils à sous. Pum, 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 citron, citron, citron. Oh, bah, alors on a perdu. Oh, je commence à comprendre. Attends. Obélisque, sphinx, soleil. Obélisque, sphinx, soleil. Cet appareil est une machine à sous. Il tombe sous le coup de l'ordonnance du 12 mai 1750, interdisant les jeux de hasard sur l'ensemble du territoire. N'ayant jamais été abrogé, cette ordonnance est encore en vigueur. Il en résulte que vos bénéfices sont illicites et que je vais être obligé de vous les confisquer. Voyez bien que je regrette. Formidable la place de l'arrière-grand-père. Tu es contente, Catherine? Oui. C'est